Je m'appelle Alain et je viens d'un continent que le Seigneur a foulé au pied un jour. Il est passé par là, de l'Afrique, précisément du Gabon. Et il se passe beaucoup de choses au Gabon, c'est terrible. Je l'ai dit à Lyon, le Gabon est formé de 9 provinces. Et sur les 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont touchés par la parole de Dieu. 7 sur 9. Donc il y a déjà plus que la moyenne. Mais on n'est pas encore satisfait. Il faut qu'on ait 11 sur 9. Comme ça, si un jour, administrativement, on décide d'augmenter le nombre de provinces, nous, on sera déjà en avance parce qu'on est avec Jésus. Amen. Alors, je vais... Qui peut me prêter une Bible? Merci. Réunion qui commence à 22 heures, c'était ça? Et à 21 heures. Plus on aime le Seigneur et plus on fait des choses terribles. Et quand je pense que par habitude, quand on a un rendez-vous, on dit 15 heures, on arrive à 17 heures. Mais pour Jésus, les gens viennent bien avant. Mais j'espère que ce n'est pas parce que c'est un jour férié. J'espère qu'on le fait là à cause de Jésus et qu'on a également le même témoignage dans nos lieux de travail. Dans les rendez-vous qu'on a entre frères, voilà. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Je cherche un passage. Sincèrement, je ne sais même pas s'il faut prêcher. C'est qu'il y a tellement l'envie de chanter, d'adorer Jésus. J'ai encore une autre question, vous permettez? Qui a créé les jours? Le Seigneur? Les mois, les heures? Donc on peut l'adorer le 31 décembre. On veut empêcher ça aux gens. Alors qu'on doit l'adorer en tout temps. On doit l'adorer en tout temps. Alors donc, très rapidement, dans Jean chapitre 4, on parle d'une histoire. Une histoire que j'aime beaucoup. C'est la rencontre du Seigneur Jésus avec une femme. Vous connaissez cette histoire? C'était un jour comme celui-là et le Seigneur, comme par habitude, il se baladait avec ses disciples. Ça va? Tout le monde va bien? Il se baladait avec ses disciples à un moment. Jésus sent qu'il doit rencontrer quelqu'un de spécial. Amen. Jésus sait qu'il doit rencontrer quelqu'un de spécial. Tu peux dire à ton voisin quelqu'un de spécial. Et comme c'est un rendez-vous privé particulier, il dit à ses disciples, mettez-vous un peu à l'écart. Laissez-moi un instant. Parce que j'ai un entretien avec quelqu'un qui, depuis le commencement, devait entendre quelque chose. Et comme un bon gentleman dit, se balade, j'imagine comme Jésus marchait. Vous savez, en Afrique, en Europe, pour beaucoup de continents, il y a beaucoup de top modèles. Et on les entraîne pour marcher. Ils font des cours de mannequinat, donc on leur dit, bon, j'ai pas la taille requise, je pense. Mais avec le Seigneur, j'ai la taille requise. Donc on leur dit, allez, marchez comme ci, comme ça, faites le regard comme ça. Mais eux, ils apprennent ça à l'école.
Mais j'imagine sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. Il commence à marcher. Il va à un rendez-vous. Il s'assied un instant. Et il attend. Et il voit au loin quelqu'un qui l'attendait depuis longtemps. Il dit, ah, enfin, la voilà. Il dit, enfin, la voilà. Et lorsqu'il rencontre cette personne, cette femme, il commence à parler avec elle avec douceur. Il ne commence pas à lui dire, hey, oh, comme un braqueur, non, comme un bandit. Bonjour, madame. Et la dame, avec tous les soucis, toutes les complications qu'elle avait dans son cœur, les problèmes d'abandon, le mari la battait, le mari est parti. Excusez-moi, il avait pris son salaire et il est parti, il allait se balader, il avait abandonné la femme avec les enfants. Le mari était reparti, voilà, vous me comprenez. Donc la dame arrive parce qu'elle doit puiser de l'eau, elle est fâchée. Elle dit, qui encore vient me déranger pour me dire bonjour? Il est bizarre ce monsieur. Il n'est pas comme les autres. J'ai déjà suffisamment de problèmes avec les hommes et il faut encore qu'un homme m'arrête. Mais cette femme ne savait pas que tous ses soucis devaient disparaître avec cette rencontre. Oh, j'aime Jésus. C'est comme toi, mon frère, toi, ma sœur, comme toi qui ne connais pas le Seigneur ce soir. Tu as sûrement été invité, et je suis sûr, et je te comprends, parce que on était tous comme ça. On s'est dit, bon, tellement la personne insiste, je vais quand même venir ce 31 décembre, mais dès qu'il sera 23h30, je vais vite partir d'ici Brétigny, je vais aller là-bas parce que mes amis m'attendent pour faire la teuf. Parce qu'on doit crier ensemble, tous bonne année. Donc, je sais que tu es là. Tu te dis, bon, juste à minuit, on s'est accordé avec les copines en boîte de nuit. Minuit pile, on doit faire sauter le champagne. Mais le Seigneur est là. Et il a un rendez-vous avec toi. Et au-delà de toutes tes préoccupations, mon frère, ma sœur, sache que le Seigneur veut que tu puisses l'écouter. Donc le Seigneur commence à discuter avec cette femme. Bonjour, vous allez bien? La femme fait, ouf, oui, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur commence à parler avec amour, comme il le sait, Rabbi, le maître. Et petit à petit, le cœur de cette femme samaritaine, commence à s'ouvrir. Et elle oublie qu'elle vient puiser de l'eau. Elle reste là pour écouter. Elle écoute. Jusqu'à un moment, c'est tellement fort dans sa vie parce que le Seigneur change de dimension. Il commence à creuser dans sa vie. Il va puiser toutes les saletés, toutes les difficultés pour lui dire, regarde les saletés de ta vie. Il n'y a qu'un seul qui peut les faire disparaître. C'est moi, Jésus. La dame commence à trembler. Mais qui est cet homme qui parle de ma vie comme s'il était le jour de ma naissance? Quel est cet homme qui me demande de lui donner à boire alors qu'il est de loin là-bas? Moi, je suis loin de là-bas. Mais ce jour, il y avait quelque chose qui devait être brisé. Dis à ton voisin quelque chose qui devait être brisé. Vous voulez que je vous dise? La xénophobie. La xénophobie. Dans l'église, dans les assemblées, ça règne. Vous allez voir beaucoup de personnes comme tout à l'heure. J'aime beaucoup observer. Lorsqu'on dit, mon frère Klein dit, vous pouvez vous lever pour aller saluer. Ils ont un GPS qui est simplement orienté vers les personnes de la même couleur. Ça, c'est pas Jésus. Faut pas rire avec ça. Ça, c'est pas Jésus. C'est pas la soirée que tu es venu voir. Comment tu vas voir un GPS directement orienté vers les personnes qui ont la même couleur que toi? C'est pas normal.
Si c'est ceux qui parlent la même langue que toi, tu es ensemble, tu vas lui dire tout ce que tu racontes. Si vous venez de Lyon ensemble, c'est vous. Si vous venez de, je sais pas. Les GPS là, aujourd'hui, on va les détraquer et ils vont être remis à l'œuvre et en bon état par Jésus-Christ de Nazareth. Et à part ici, c'est la même chose. Vous savez, quand des enfants choisissent des écoles pour leurs enfants, ils regardent la tendance. Est-ce qu'il y a plus de personnes sombres ou il y a plus de personnes claires? Ou il y en a qui sont au milieu? Ça, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Et là, ça commence à... C'était l'heure de briser la xénophobie, le racisme. Le temps de la ségrégation est passé depuis longtemps. Jésus est venu nous libérer, nous apporter une année de grâce. À toi qui es chrétienne, à toi qui es chrétien, disciple du Seigneur, pasteur, ancien, diacre, tout ce que tu veux comme galon pour toi. Les chrétiens doivent changer. Vous savez, la suite de ce passage, de cette histoire dit, on dit quelque chose d'important. L'heure vient. Parce qu'il y a eu une heure où il n'y avait rien. Il y avait un temps où il n'y avait rien. L'heure vient. L'heure où tu te déplaçais, tu as pris le RER, le métro, le bus, le TGV, peut-être des avions pour venir ici. L'heure est arrivée maintenant. Où l'adoration que tu dois avoir pour le Seigneur soit véritable. Mais l'adoration qui est véritable pour le Seigneur, c'est pas lorsqu'on fait une note de piano et puis tu fais la tête comme ça là. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est même pas parce que tu es venu ici. C'est avoir un cœur sincère. Vous allez voir des personnes qui sont sombres, ils ont du mal à faire des bises à des personnes qui sont d'une autre couleur. Et vice versa, hein. C'est l'équilibre. C'est l'heure d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que Dieu est le Père des esprits. Si tu as reçu le même esprit que moi, on a le même Père. Et la femme samaritaine là, elle était coincée dedans depuis plusieurs années. La xénophobie, cela non. Voilà. Jésus arrive, le gentleman, le briseur de xénophobie. Il vient dire, aujourd'hui, c'est l'heure. Tu as écouté cette histoire plusieurs fois, mais aujourd'hui, Dieu permet que quelque chose sorte. Mais sois-en sur moi-même, c'est tout de suite là que j'ai compris ça. Donc, je ne suis pas spécial ni particulier. Faut aussi qu'on casse ça. Donc, le Seigneur arrive et il commence à parler à la dame. Et cette dame-là, son cœur est tellement bouleversé que puiser l'eau là, donc, c'est-à-dire faire tout ce qui l'arrange, elle arrête. Elle a entendu un message, elle a entendu quelque chose. Elle a entendu que la xénophobie ne vient pas de Dieu. Elle a entendu que la cigarette ne vient pas de Dieu. Elle a entendu que l'adultère ne vient pas de Dieu. Elle a compris que les avortements ne viennent pas de Dieu. Elle a compris que le vol, la trahison ne viennent pas du Seigneur. Elle dit, mais c'est pas possible. Depuis que je suis toute petite, Alain, le rabbin nous a expliqué beaucoup de choses. Mais on n'a jamais entendu ça comme ça. L'heure vient. Et l'heure là, vous savez que le Dieu de la Bible n'est pas limité par le temps. En ce moment-là, c'est l'heure qui est arrivée. C'est pourquoi si tu es encore dans le péché et que Dieu a permis que tu sois là, sache qu'il y a une heure précise où tu as une rencontre spéciale avec le Seigneur. Et l'heure là est arrivée où ton cœur doit être changé. Tu dois arrêter avec ta petite copine. Tu dois arrêter avec la honte. Autre petite parenthèse. J'aime beaucoup observer. Lorsqu'on commence à chanter, vous allez voir des personnes qui sont là. Ils bougent juste la tête. En fait, ils ont envie d'adorer le Seigneur. Mais, oh Seigneur, délivre-nous. On est honteux, honteux. Les chrétiens hontent le feu. Parce que comme tu ne connais pas ton voisin, donc tu peux pas montrer que
Tu sais que tu es d'une classe sociale un peu élevée. Et puis tu as quand même le doctorat et l'agrégation. Mais la personne qui est à côté, regarde ses chaussures. Sa classe sociale, bon, ben, c'est pas ça. Donc je peux pas lui montrer, j'ai une éducation différente. Dis à ton voisin, religieux, repens-toi. L'heure est arrivée où ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors il commence. Yes, elle est coincée, tétanisée. Et tu n'arrives même pas, même te mettre à genoux, tu commences à calculer ta belle jupe en lin que tu as achetée en solde. Et tu es là, tu fais la fière, le fier. Alors tu vas voir d'autres personnes. Yes, mais ceux-là, ils sont comment? C'est le feu. C'est, même s'il n'y a pas d'électricité. Autre parenthèse, souvent à Libreville, il y a des réunions de prière. Il y a des réunions de prière et à un moment, c'est en Afrique, hein, c'est un peu compliqué. Priez pour nous, mais ça va aller. Même si vous ne priez pas, Dieu nous aime. Mais je sais que vous priez pour nous. À un moment, coupure d'électricité. Plus de synthé, plus rien. Comment on fait? Mais c'est comme si les forces sont décuplées. Yes, wow! Yes, wow! En fait, je dis ça pourquoi? Parce que il faut que tu l'adores véritablement. Ne l'adore pas avec ta manière. C'est lui le prince de la vie, c'est le créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas avoir honte de ton voisin, tu ne peux même pas avoir honte de ton épouse et dire oh, je peux pas danser, ma femme va me regarder. Pourquoi? C'est lui qui t'a créé. Rappelons-nous, parce que j'étais à l'intérieur, quand on allait en boîte de nuit, on écoutait tout type de musique. Mais la façon qu'on dansait, souvent même on, comme moi, c'était l'anglais, je comprenais rien. Mais tu danses tellement que on se dit même qu'il comprend, mais tu comprends rien. Mais pour Jésus, pour sa majesté, pour le créateur des cieux et de la terre, pourquoi avoir honte? Amen ou pas amen? C'est le moment de l'adorer. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas pour te condamner. Mais le souffle que tu as en ce moment, il appartient au Seigneur. Et il dit, ceux qui auront honte de moi devant les hommes, j'aurai honte d'eux devant mon Père. Quelle que soit la marque de tes chaussures, quelle que soit la chaleur, c'est pour le Seigneur. Je t'en supplie, sors de la honte. N'aie pas honte de ton voisin, de ta voisine, ou bien tu as rencontré quelqu'un qui travaille avec toi, ou alors toi tu es le chef et tu as vu un de tes employés. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Il y a l'employé et puis il y a un chef qui est là. Tu es là, tu as vu ton chef, il est là et tu le chef te guette. Le chef dit bon, c'est moi qui dois l'évaluer, faut pas que je lui montre que j'aime Jésus quand même. Il y a des degrés. Il faut briser ça au nom de Jésus. Aujourd'hui nous voulons adorer le Seigneur, lui dire merci. Lui dire merci, c'est important. Le Seigneur est venu briser, casser ses barrières avec la femme samaritaine. Et c'est la même chose avec l'assemblée. Le Seigneur rencontre une église qui a besoin d'être restaurée. Le Seigneur rencontre un cœur qui a besoin d'être restauré. Le Seigneur rencontre une femme qui souffre depuis longtemps et qui a besoin d'être restaurée. Le Seigneur rencontre un homme qui tourne depuis des années et il cherche la solution. Le Seigneur est là ce soir. Et il veut te restaurer. Le Seigneur est là même pour les enfants. J'ai vu à Lyon des enfants qui se lèvent. Ce que des adultes n'arrivent pas à faire. Ils prennent le micro. Ils disent, ils veulent demander pardon au Seigneur parce qu'ils mentent à leurs parents. Et la mère était là, l'enfant va, il attrape sa mère. Et il commence à l'embrasser. Mais toi, un adulte comme toi, mon frère, tu as honte de te repentir? De qui as-tu honte? Réconcilie-toi avec ton épouse. Tu vas voir la joie qu'il y a dans le mariage, le mystère qu'il y a dans le mariage. Tu vas voir. Tu vas plus cacher ton bulletin de salaire. Tu vas plus cacher. Tu as commencé à bien faire la lessive.
La veille, tu installes. Même si la nounou, la ménagère est là, tu installes en chantant, tu mets les pinces. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est beau d'être là, quoi. Si je pouvais, je n'allais plus repartir un bon moment. Mais, on doit retourner chez nous et vraiment, ça a été une joie. Il est que 21h35, mais je suis déjà encouragé comme si c'était la fin. Et j'espère que c'est la même chose pour toi. Donc, frères et sœurs, brisons cette xénophobie, cette honte, cette séparation qu'il y a au niveau des classes sociales ou des couleurs, car ça ne vient pas de Dieu. Amen. Soyez encouragés. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si tu veux, tu peux te lever pour l'acclamer et pour lui dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci les enfants.